Être attaché à quelqu'un ne concerne pas l'autre personne. Cela concerne votre propre sentiment d'insuffisance. Eh bien, aimer la vie autour de nous, les gens autour de nous, est un processus naturel. Et l'amour est une force libératrice. Mais l'attachement est un processus qui nous emmêle. Nous devons comprendre cela. Attachement ne veut pas dire affection. Attachement ne veut pas dire amour. Attachement ne veut pas dire qu'on apprécie quelqu'un. Attachement signifie simplement que vous êtes coincé de telle manière qu'ensuite vous allez dire « Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas marcher sans béquille. Et je ne peux pas vivre sans toi. » Il n'y a pas de grande différence entre les deux. Ce n'est pas que vous n'accordez pas de valeur à une autre vie. Ce n'est pas que vous ne vous liez pas aux gens. Se lier, c'est bien, mais l'attachement est une servitude. Si vous choisissez de vous lier à toutes les vies autour de vous, il n'y a pas de problème. Ou juste à une vie autour de vous, il n'y a pas de problème. Mais si vous créez de la servitude, alors vous avez détruit la possibilité du désir fondamental en vous, qui est la liberté. C'est pourquoi cette culture a fait l'éloge de la liberté comme étant l'objectif le plus élevé, le seul but. Si vous êtes né dans cette culture, ou où que vous soyez, le seul but pour un être humain est de devenir libre, d'aller au-delà de toutes les servitudes et de se lier à la source de la création.